Alors, je vous cache pas que, vu la longueur à chaque fois qu'il faut pour revenir se taper toutes les merdes, escalader, etc. Honnêtement, ça va être chiant. Et donc, cela indique qu'il va falloir... voilà, éviter ce genre de conneries. Et éviter de mourir. Pour ne pas devoir se taper tout le chemin inverse. Voilà, donc nous on était là. On a fait les cons, donc là on doit descendre. On est d'accord? Ça, j'aimerais bien savoir où ça amène. Parce que j'ai l'impression que là, il y a de l'escalade en fait. Paf, 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 paf. Donc je vois pas comment... Et on peut y aller là? Bon, on va voir. Descends en rappel! Cliffhanger girl. Trouver le système de sécurité. Alors là, je suppose que c'était pour aller... Voilà. Ah, genre, elle ne sait pas... elle ne sait pas s'accrocher. Première nous... Ah, d'accord. Pof, et là. Ok. D'accord. Donc ça, ça a amené là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on... D'accord, donc en fait, on doit aller là après. Ok. Je vais devoir passer par là. Le truc va s'effondrer, va falloir... non? Ah, ça sera peut-être la sortie, alors, l'autre truc. D'accord. Faut pas réfléchir, juste foncer. Je n'aurais pas pu te donner meilleur conseil. Wouh! Il a tenu comme ça pendant 19 ans, hein? Eh bien... Non, ne dis rien. Ah. Petit mur invisible des familles. Ça c'est fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça va, c'est pas haut. Oh là 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 là. Je devrais essayer par le haut. Ah, intelligente, hein. C'est bien les petites réflexions comme ça que les persos se font. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs dans les jeux vidéo comme ça, les réflexions qui se font. Puis bon, qui est aussi un gros indicatif pour dire aux joueurs, plutôt que de l'écrire, vous vous êtes trompé d'endroit, demi-tour, c'est le personnage qui vous l'indique un petit peu subliminalement, et c'est plutôt bien pensé. Lara Croft aussi, dans les derniers Tomb Raider, le faisait pas mal, ça. Discuter avec les événements qui se passaient autour d'elle, c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi, j'ai remarqué un détail. Alors, je tenterai de la retrouver dans les dernières vidéos. De toute manière, je sais où elle est. Où elle est située dans la séquence. Mais je vous montrerai... les détails que l'on peut trouver, en fait, dans l'expression faciale des personnages et même quand ils parlent. Et ça paraît à rien, mais c'est des petits détails. En fait, c'est des petits détails qui montrent l'évolution... quand même, et les nouvelles générations du monde du jeu vidéo et l'évolution technologique qu'on peut avoir.
Et la synchronisation labiale, bon, sachant que c'est de l'anglais, donc c'est parlé en anglais, c'est pas synchronisé avec les labiales français, mais je vous montrerai une chose. À un moment donné, Aloy, quand elle parle, vous savez, quand on parle, on a tendance à plisser la langue, à plisser la lèvre sur la langue, comme pour s'humidifier les lèvres quand on parle, comme si on avait trop, comme si on avait les lèvres séchées après un long monologue, en fait. Eh ben, je vous montrerai une scène... vite fait, c'était où on voit Aloy faire ce... C'est là qu'il vivait. Il reste pas grand chose. Faire ce petit lipstick. Tout ça était entouré de roches et de métal. Et c'est un petit détail complètement qui paraît anodin, hein, comme ça, mais c'est vachement subtil et ça m'a vachement percuté, personnellement. Bon, après, c'est vrai que j'aime beaucoup... comment dire ? Après, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est détail, etc. Donc après, j'aime beaucoup prendre le temps de regarder. Mais ça m'a percuté quand je l'ai vu la première fois. Corruption donnée minime. Enregistrement. Je viens de me réveiller, il est... Je vois les chiffres, mais j'arrive pas à les lire. J'ai fait un rêve. Je donnais une conférence, mais c'était peut-être un truc un peu plus... ésotérique, je sais pas. Je voyais pas les visages des gens du public. On était sous un ciel immense. Je leur expliquais que le monde avait disparu... à cause des robots. Non, à cause de nous. Les derniers humains... c'était ensuite éteint, mais pas brutalement. Sans un bruit. Enfermés dans des grottes comme à la préhistoire, serrés les uns contre les autres autour d'un feu. Les chefs d'État, les milliardaires, les grands patrons, les gagnants du loto, les gourous, tous coincés dans leurs petits abris anti-atomiques. Certains croyaient qu'ils survivraient d'une façon ou d'une autre. Dans l'Elysée, ou ici, au complexe, c'est pareil. Des tas de petites sociétés qui s'accrochent, qui s'amenuisent lentement, et qui meurent. Certaines seront magnifiques, et d'autres horribles. Mais peu importe, finalement. Des civilisations à court terme. Une dernière inspiration. Avant qu'on ne retienne notre souffle pendant très, très longtemps. Juste avant de me réveiller, le public était parti. Je me parlais à moi-même. Une planète silencieuse. Une sphère stérile. Et Gaïa, avec son rêve interminable. J'espère qu'elle ne se sentira pas trop seule. Ah... Vous avez vu, n'empêche, au stade où on en est dans l'histoire du jeu, on arrive à... Enfin, si vous voulez, l'intelligence artificielle est dotée maintenant, enfin, d'une conscience, si on peut dire, et ressent des émotions. Et donc, en viendra l'éternelle question, vous savez, un peu comme la série, je crois que c'est... les robots... Human, non. Je me souviens plus où les robots font partie de la vie quotidienne des humains, etc. Et au final, est-ce qu'on devrait accorder du crédit à ce que l'on appelle les plus terre-à-terre, à des machines, sachant que c'est de la vie mécanique et non de la vie organique, mais ça reste de la vie tout de même. Vous voyez ? Donc la question demeurera sur devra-t-on dans le futur accorder... Disons que, est-ce que quand on fera dans les générations à venir les robots nos esclaves et qu'ils seront dotés d'une conscience? Le problème de ça, c'est est-ce qu'ils pourront avoir la... Comment je pourrais dire ça? La faculté de pouvoir sentir qu'ils sont soumis à l'être humain, en fait, et qu'il y aurait une sorte de rébellion. De toute manière, je l'avais dit dans une autre vidéo, hein, il y a un scientifique qui a raconté le jour où les robots deviendront... Le jour où les humains sentiront que les robots seront dangereux pour l'homme, avec un grand H, hein, bien entendu, pour l'homme, c'est uniquement quand les humains verront un robot tuer un civil dans la rue, pas avant. L'évacuation s'est faite si vite.
On n'a pas eu le temps de se préparer. Ni de faire ses adieux. Il y avait la queue à la zone médicale. J'avais dit à Tom Peck que je serais là quand il partirait. Mais je pouvais encore terminer un dernier batch de zygote de Paradisaïdé. En me dépêchant un peu... Je lui en veux encore de m'avoir obligé à choisir. Et je m'en veux à moi. Quoi qu'il en soit, il est mort tout seul. Et j'ai pas non plus réussi à sauver ces putains d'oiseaux de paradis. Mais je vais pouvoir passer le restant de mes jours à ressasser tout ça maintenant. Les portes du complexe sont fermées. Celles de l'Elysée aussi, si tout s'est bien passé. Ils sont à quelques kilomètres à peine, mais ils pourraient aussi bien être sur Mars. Tous les bêtas et les gammas et le personnel, leur vie continue. Si je n'avais pas été un alpha, si les choses s'étaient passées autrement, j'aurais pu être là-bas. Au lieu de ça, je vais passer le restant de mes jours artificiels ici avec des gens que je supporte à peine. Et sans la personne avec laquelle j'aurais voulu vivre jusqu'à la mort. Si j'avais pu. Ça fait à peine 2 heures que j'ai terminé les tout derniers programmes, et je suis déjà un vieil homme maigri qui se plaint à son focus. Un bien bel exemple pour les générations futures. C'est fou comme quand plus j'avance dans le souterrain, plus la musique prend de l'ampleur. Parce que oui, la musique peut être aussi procédurale. Oui, mais si tu le sais pas, je t'explique. Hein ? La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Bon alors ! Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Moi j'aimerais savoir ce que c'est. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scanley. Le focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est un puissant appareil, mais son moteur est petit et limité. Combien de temps ? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hadès et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Ah, donc pour le moment, je peux pas les lire ? Waouh! Il y a tout ça? Ah, d'accord! Réparation, encore réparation, réparation. Ah, on a les dates en plus! Le 19-11. Ah, bah ouais, le 19-11. Donc le 19 septembre 2064. Hein, et pas 1964, les Mongolos. 65, 66, 3 février 2065. Pourquoi ils mettent 3 février et là ils mettent juste 15-11-66? Ça se trouve en fait ils mettent une carotte et c'est vraiment 1966, vous savez, en fait la meuf elle est devenue immortelle. Elle a trouvé... En fait la meuf c'est l'héritière de tout. Elle est au-dessus de Dieu, elle est la créatrice. Ah non, c'était de l'autre côté, ça, d'accord. Elisabeth. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est elle jeune ? C'est sa tombe ? Ah, il y a des fleurs, c'est des immortels. Oh, putain! Young Elizabeth. Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique.
Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les cerveaux moteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors, en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. Ah, ce sacrifice. C'est bon, tout va bien. Je réparerai le joint. Gaïa. Vite calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va, ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça, on a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Pourquoi j'ai pas le même casque ? Bonne balade, Lise. Et... un de ces quatre. Oui. Non. Prenez soin de vous, d'accord? Lise. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. C'était la toute dernière transmission. Elisabeth Sebeck. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Wouah ! Elle s'est suicidée ! Lise, t'étais vraiment une fille bien. Je suis triste que tu sois morte. J'espère juste que t'as réussi à rentrer chez toi avant. Mais là, l'hôtel que Ronson a érigé en ton honneur, franchement, c'est trop. Repose en paix, Lise. Tu l'as mérité. Je sais que tu n'aimerais pas ça, Lise. Mais j'ai écrit une oraison. Il fallait que j'essaie d'exprimer... tous tes enfants. Quand Apollon aura terminé sa mission, ils croiront tout savoir. Mais il faut absolument qu'ils comprennent tout ce que tu as fait pour eux. Et à quel point tu aimais notre monde. Avec une intensité... étourdissante. Douloureuse. Et puis, finalement... ce monde t'a tué, ou tu es morte pour lui. Ça dépend où on se place. Personne ne pouvait te suivre, ni être à ta hauteur. Va savoir, peut-être que si je n'avais pas accepté ce poste à Johannesburg, je suis content que tu aies décidé d'annuler le protocole Memento. Je ne crois pas que j'aurais supporté de voir une autre toi. Parce que... Elisabeth Sobeck... Ah, elle vous laisse répliquer ? Il ne peut y en avoir qu'une. Tu me manques. Elle voulait se dupliquer, quoi. Ah, tête pharaon. Salut, Lise. Je sais que tu n'entendras jamais ce message. Mais c'est pas grave. Tu as pu jouer à la fois les sauveuses et les martyrs sur ce coup-là. Pas mal. Mais qui nous dit qu'elle est réellement morte, en fait? Parce que eux, ils étaient derrière la porte, elle s'est barrée, mais on ne sait pas. Aloy? Elle est morte. Pour de vrai. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi... est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux.
C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre ? C'est compliqué. Tu la crois supérieure pour son intelligence. Parce qu'elle avait conçu Hope Zero, mais tu ne comprends pas. Elle était exceptionnelle, parce qu'elle n'a pas hésité un instant à se sacrifier. Pour les autres. Ouais, voilà, we are the world. Après. Non. Elle ne voulait pas que sa création échoue. Tu confonds la volonté et la compassion. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie, des armes contre le désespoir. Sans ses émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies perdue. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être. Quoi ? Rien. On continue. Eh, ne laisse pas les sentiments obscurcir ton jugement, ma chère. C'est bien, on avait... C'est moi qui marche sur sa sépulture. Oh. Des portes, là. Qui mènent à quoi et où ? Forcer la porte. C'est fou qu'elle soit sacrifiée. Mais après, en fait, Silence et Aloy, ils ont raison tous les deux. Oui, elle était très intelligente. C'est elle qui a fait quasiment tout le boulot, etc. Pour pas dire tout le boulot. Après, Aloy, c'est vrai qu'elle est dans... Bon, elle est dans l'humanitaire, vous voyez. C'est pas la fille qui va rester chez elle... le cul sur une chaise ou à faire quoi que ce soit, c'est plus une nana qui est un peu plus dans le sentiment et dans la compassion de l'autre et dans l'aide à la personne, l'aide de son prochain. Et c'est assez étonnant, sachant qu'Aloy ait quand même été considéré comme une paria et été dénigré quasiment toute sa vie, même encore aujourd'hui. Et qu'elle est foi, pourtant... Illity. Ok. On reprend à Illity. Lancement des tests d'intégrité. Docteur Brochard-Klein, puis-je parler hors protocole? J'imagine. Personne ne va t'en empêcher. Docteur, vous êtes épuisé. Vos cycles de sommeil ne sont pas dans la norme. Souffrez-vous de dépression? Eh bien, je suis condamné à passer le reste de ma vie dans un complexe confiné. Ouais, ça devrait rendre quoi taré quand même. Sur un ensemble de 1 000 milliards de cycles d'opérations, 10 000 sont consacrés à la gestion de la mort du docteur Sobek. J'ai envisagé de mettre ces processus en quarantaine. Pensez-vous que ce serait souhaitable? Je ne suis pas un psychologue, Gaïa, ni un spécialiste de l'IA. Non. C'est... naturel. Au vu du contexte de ce que toi et moi avons accompli, on peut dire que ce terme est parfaitement approprié. C'était ta créatrice, la sainte patronne de ce projet fou. Notre-Dame du fervent incertain. Même en tenant compte des significatives possibilités d'échec, les chances de succès d'Aube Zéro sont plus certaines qu'incertaines. Ça s'appelle une figure de style, Gaïa. Souviens-t'en. Salut Margot. Comment ça va? Docteur Ronson, je reçois beaucoup de messages contre mon gré de Ted. Oh, Margot, je suis désolé. Depuis que Liz n'est plus là, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Je vais lui parler. Il veut juste être tenu au courant, en permanence. Toujours plus d'infos sur des trucs qui ne le concernent absolument pas. Liz avait le don pour le gérer. Il comprend rien du tout à nos systèmes. Et c'était justement ce qu'on voulait. Mais il commence à être bizarre avec moi. Il faut juste faire en sorte qu'il soit content. C'est ce que faisait Liz. Tu rigoles? T'as déjà entendu comment elle lui parlait? C'était sa façon de le gérer, Margot.
Je sais pas. Je devrais peut-être juste l'ignorer. Qu'il reste avec ses nénettes holographiques et ses histoires d'antimode panthère. Il est inoffensif. Ah, alors qu'est-ce qu'il a fait, ce Ted? Parce que bon, s'ils en parlent comme de la peste, là, et qu'il a l'air un peu de vouloir se renseigner sur beaucoup de choses, ça en dit long sur les projets du mec à venir, quoi. Ted Farrow. Avec quoi on va nourrir Presley, Lisa? Toutes ces histoires, ces soi-disant vérités, tout ce bruit, c'est pas de la nourriture, Lisa. C'est du poison. Y a pas des tâches supplémentaires. Ah! Non! Fais pas demi-tour! Voilà. On peut toujours pas lire. Non, réparation en cours. Ah ben, on revient au début là en fait. Attendez. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. Ouah ! Ah, on peut descendre ! Attendez. Non. On va pas prendre le risque. Alors. Wow ! Tout la dimension que ça prend. Ouais, complètement. Un individu pris d'un délire mystique, c'est classique. Putain, comment il est rationnel, Silence, c'est un truc de fou, hein. Ah, je sais pas si c'était là qu'il fallait escalader. C'était prévu, ça? Apparemment, oui. Je sais pas. On peut y aller en face? Ouais, je vais pas prendre le risque. Ouais, non. Ah oui, d'accord, donc là, on peut pas escalader. Ah ouais, donc c'était vraiment là. D'accord. J'ai dû prendre un autre chemin. Ah oui, en effet, oui, j'ai escaladé, d'accord. Pas escalader au bon endroit. Ah bah d'accord, en fait j'ai pris un petit raccourci. Ok. Ok. Waouh. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un truc là? Ah non. Et là il y a quoi? Ah bah si. Ah bah on peut y aller, voilà. Et là il y a des trucs ou pas?
Ah bah d'accord, on arrive au bout de la boue. Au bout de la boue, d'accord. Donc là, ça nous fait quitter les lieux, d'accord. Donc je pense qu'on doit arriver à la limite. Ah, la porte est verrouillée. Waouh, ils sont frais ceux-là. Non? Ils ont encore leurs vêtements? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les alphas y étaient pourtant. Ah, ils se sont asphyxiés? Qu'est-ce que... Ah, c'est bizarre. C'est qui ça? Je n'ai plus accès au système. Autorisation Alpha annulée. C'est quoi l'autorisation Omega? Oh non. Personnel Alpha. Ne paniquez pas, mais... Je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir. À notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents. Des esprits purs. Et irréprochables. On va leur donner le savoir? Comme si c'était un don. Ted, on en a déjà parlé 100 fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède, et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie. Non, je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice. Ted, ce n'est vraiment pas la solution. Et pourtant si, Samina. Je l'ai fait il y a 3 minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout envolé. Oh, un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je suis... Pourquoi? Mais parfois, pour protéger des innocents, d'autres doivent mourir. Ceci est une alerte. Mais quel enculé! C'est la démence, quoi! Il les a tués. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse, tout ce que ces gens avaient accompli, tout le savoir des anciens, évaporé, réduit en poussière, renvoyé au néant, le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Oh. Le monde où nous vivons. C'est un monument en hommage à ce pourquoi ils sont morts. Ouais. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, bah ouais. Silence.
L'espoir. Bon là par contre, le coup philosophique d'Aloy, je suis pas spécialement fan. Hein. Le système de sécurité, c'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. Mais putain, c'est violent quoi, le mec il a ruiné toute la culture quoi. Mais par contre, Ted Farr, enfin, qu'est-ce qu'il est devenu, lui, surtout? Ah, c'est ça qui m'intéresse, parce que bon, ça, finalement, ça a l'air d'être le gros connard de l'histoire. Il a absolument pas retenu sa leçon. Et ouais, il a un peu... Enfin, il a complètement perdu les pédales. Oh ah, on pouvait pas faire plus synchro qu'avec ce que Silence nous a dit. Ah, c'est pas agrippé, hein. Moi là j'y peux rien, je suis vraiment navré, mais... Oh, qu'est-ce que j'ai vu là? Ah non. Ah bordel. Ah! Si tu peux éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. Ah voilà. Un peu trop gourmand. Ah mais attendez. Mais on a l'air de pouvoir l'utiliser celui-là pourtant. Non? Là. Non. Là. Non. Ah donc c'est une grosse feinte en fait. C'est de la grosse baise, on peut pas. Ah oui! Lâche pas. Ah, il y avait quoi au-dessus? J'ai cru voir quelque chose. Ouais, par là. Il y avait... Ah non, c'est ça que j'ai vu, d'accord. Tu es... là? Pas pour longtemps. Quoi? C'est maintenant que nos chemins se séparent, Aloy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais... travaillé pour l'éclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès, Aloy, enfoui dans cette montagne, dans cette épave de titan. Et je l'ai aidé. Hein? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de... J'ai aidé à créer l'éclipse. À fonder une secte, une armée tout à ses ordres. Non! Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridian. La flèche.
À ton avis, pourquoi Aloy ? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi ? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots pharaons en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. Ouais, enfin en effet, avec ce que déjà. Nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'éclipse, les robots qu'ils ont réveillés, il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Oui. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu ne l'en empêches. Enfin, moi, perso, c'est ce que je me doutais, hein. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'éclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Aloy. Bah, file-lui ton focus, alors, à la rigueur. D'abord, ce focus. Que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée, là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait, tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un titan ? Une machine de guerre ? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave, à la nécropole par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde, ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche ? Son emplacement précis. Tout ce qui pouvait l'entourer. Ses propriétaires. En échange, il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne technologie. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider, si la récompense en valait la peine. Assez pour équiper une petite armée. Ou ses commandants, en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. La physique, l'algèbre. Tu n'imagines même pas. Et les Karjas de l'ombre ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? La guerre civile des Karjas est tombée à point nommé. Une occasion parfaite. Une occasion ? C'était ça, pour toi ? Oui. En une nuit, la moitié était partie pour aller reprendre Méridian la Sacrée. Leur religion les rendait faciles à manipuler. Je n'ai eu qu'à leur présenter Hadès comme l'ombre enfouie de leur mythologie. Alors effectivement, c'était une occasion. J'ai arrangé une rencontre entre Hadès et leur haut prêtre Bahavas. Elis aussi était présent. C'est ainsi que l'éclipse est née. Ils étaient prêts à tout pour reprendre Méridian. Mais Hadès n'avait que faire de Méridian. Tout comme toi. Mais Hadès, il s'en fout de tout. Nous vivons dans un monde de villes en ruine et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis... J'étais trop occupé à régler le réseau de focus de la secte comme le voulait Hadès. Un défi technique passionnant, particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir Hadès, mais jamais au point de lui faire confiance. J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permettrait de surveiller toutes les activités et les communications. Ah, ceci explique pour ça. Ceci explique cela, pardon. Pourquoi tu as retourné ta veste ? Ne me dis pas que tu as eu des remords. À dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveiller d'anciennes machines avec ma technologie. Ah, c'est un problème d'ego, quoi. Sur ses intentions.
un peu tard. C'est vrai. Et je ne lui étais plus d'aucune utilité. Une fois le réseau de Focus terminé, Hadès m'a appelé pour me donner ma récompense. L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela, je suis en cavale. Ah ouais. Et à quel moment j'entre en scène? Pourquoi je t'intéressais? Quand Olin t'a trouvé. Menace système détectée. J'ai trouvé ça étrange. Un ordre pour abattre une jeune fille, Nora? Quelle importance pour Hadès? La vérité, et puis, peut-être. J'ai remarqué que cette jeune fille, Nora, portait un focus. Et qu'elle ressemblait étrangement à une scientifique des temps jadis. Elise a fait vite. Je t'ai cru morte. Mais j'ai retrouvé la trace de ton focus. Dans la montagne des Nora. Plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille ordinaire. Bien au contraire. Grâce à toi, je pourrais enfin découvrir les secrets de la Terre. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu réussisses. Maintenant, la suite de l'histoire, tu la connais, Aloy. Tu ne ferais donc n'importe quoi. Ouais, c'est un peu ça, hein, en gros, lui c'est du savoir. En fait, c'est le principe des chercheurs, vous savez, vous avez le chercheur et le chercheur. Là, c'est pas pour faire le bon chercheur et le mauvais chercheur, mais c'est pas pareil, lol. Mais, vous voyez, il y a des scientifiques, si on prend le principe de Fringe, il y a un scientifique à l'intérieur dans cette série qui s'appelle Walter Bishop, qui a fait des expériences qu'on pourrait qualifier d'absolument ignobles. Parce qu'il a fait des expériences sur des enfants dans la série, il a fait des expériences aussi folles soient-elles. Sauf que la différence entre un scientifique qui teste des choses sur des enfants pour jouer le taré et jouer au petit chirurgien parce qu'on lui a filé 2-3 outils et pour les choses, et la différence entre un scientifique qui fait des recherches pour comprendre et faire avancer la science. Alors je dis pas, attention, hein, je n'excuse pas que les mecs qui ont fait des expériences sur des gamins, etc. Mais malheureusement, c'est la curiosité des scientifiques, des chercheurs et de tout ce que l'on connaît aujourd'hui, à qui on doit plus ou moins le savoir aussi. Si ces gens n'auraient jamais été sujets à faire des recherches, que ce soit dans la médecine ou quoi que ce soit, on n'aurait pas aujourd'hui des technologies qu'on a aujourd'hui. Alors oui, il y a ensuite ce qu'on appelle dans la haute hiérarchie les impacts de la dignité humaine, ou si l'humain devrait être plus ou moins, comment on appelle ça, cloné ou quoi, vous savez, genre, oui. Là, ce qui me fait marrer, en fait, je vais vous donner un exemple. Ce qui me fait énormément marrer, c'est entendre la politique, c'est-à-dire vraiment, hein, le milieu gouvernemental, dire que pour une question d'éthique, l'être humain ne devrait pas être cloné. Mais je veux dire, en fait, qui a le droit de se permettre de parler au nom de tous les humains, en fait? Je veux dire, c'est pas Dieu, le gars. On est d'accord. C'est pas le mec qui lève le doigt et qui peut balancer une foudre sur la tête de n'importe qui dans le monde. Et ce qui me fait marrer, c'est que ce genre de personnes se permettent de dire, ah oui, le clonage humain, pour l'éthique humain, vous comprenez, non... L'être humain ne doit pas être cloné, on ne doit pas jouer avec... la curiosité, mon pote, la technologie, l'air... Voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. On en voit bien envoyer des mecs se faire bombarder la gueule dans d'autres pays. Voilà, et l'autre après, il vient nous parler d'une question d'éthique de clonage. C'est complètement stupide. Bref. Donc oui, pour moi, il a fait tout ça pour le savoir, ce quoi. Ce que tu as fait, au nom de la connaissance, Silence, c'est de l'inconscience. Aloy, je ne t'ai pas tout raconté pour que tu me juges. C'est pas croyable. J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça? Exactement. Ah, pas de problème. Silence! Tu vas aller où?
ailleurs et partout. J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça ? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon, ça t'a toujours appartenu. J'étais là, en attendant. Il est stylé, Silence, quand même. Il me fait penser à un acteur, hein, d'ailleurs. J'arrive pas à mettre le visage sur qui, mais... Bon, maintenant que c'est un peu devenu leur père des castors, qu'est-ce qu'on peut faire à fixer le système de sécurité sur la lance ? J'ai fait du chemin pour te trouver. J'ai entendu ton message. C'était bien toi, n'est-ce pas ? Entité inconnue. Je m'appelle Silence. Et tu es ? Tu n'aurais pas lancé un appel si tu ne cherchais pas quelque chose. Tu as appelé et j'ai répondu. Alors dis-moi ton nom. Hades. Tu es une création des anciens ? Une machine de guerre ? Préciser l'époque. L'époque ? Nous sommes en 13e règne de l'Hélium Karja. Définir Karja. On verra ça plus tard. Tu as été créé par les anciens. Je me demande combien de temps tu es enseveli ici à attendre que quelqu'un te trouve. Combien de temps tu devrais attendre que quelqu'un d'autre passe. Je vois bien que tu es très puissant. Mais sans moi, ça ne te servira pas à grand chose. La structure Titan n'est qu'un habitacle. Définir Karja. Ah, tu vois quand tu veux. Sérieux ? Les voilà. C'est erreur, il y a préparatif achevé. Ah, Bahavas le lucide. Voyez ce que je vous ai promis. Quelle est cette incroyable machine ? Je n'ai jamais rien vu de tel. Ne bouge pas ! Karja dans l'ombre ! Incorrect. Incline-toi devant l'ombre enfouie. L'ombre enfouie ? Je ne comprends pas. Araman a-t-il compris l'étincelle placée au sommet du bûcher ? Oh, il connaît les textes sacrés. Araman a suivi l'ombre projetée par la flèche. Jusqu'à la Messa, où fut fondée Méridian la Sacrée. Vous devez suivre l'ombre à nouveau. Je suis un homme de vertu, un élu du soleil. Et par des temps difficiles, la puissance de l'ombre peut accomplir ce que le soleil ne peut faire seul. Nous rendras-tu ce qui nous appartient ? Ah bah dis donc. Oh, ombre prophétique. Une armée d'orientation, lui. Obéissez, et Méridian sera vôtre. Notre allégeance t'est entièrement acquise. Tâche achevée. Oui. Le réseau de Focus est activé, construit selon tes instructions. N'hésite pas à le vérifier. J'attendrai. Mais j'aimerais recevoir la récompense que tu m'as promise. Le traitement quantique. Compilation des données terminée. Archive trop volumineuse pour le transfert. Voilà qui est fort regrettable. Place-toi devant moi. Tu recevras ta récompense. Eh bien, soit. Elise. Menace détectée au sein de l'éclipse. Donne-moi son nom au ombre, et il mourra. La cible à éliminer. Silence. Silence. D'accord. Une vérité susurrée la nuit et révélée le jour. Il n'a jamais été l'un des nôtres. Ce sera fait. Ouais, vous êtes... Sérieux. En fait, Elise, c'est un putain d'illuminé, quoi. C'est qu'un assassin ambulant, quoi. Serait-ce des feux de camp ? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville ? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est ? C'est la fin.
Ou tout du moins son commencement.